Alors même si on n'a pas une fontaine, on peut garder sa bouteille d'eau d'une table ronde à l'autre. Voilà, c'est des petits gestes comme ça qui peuvent peut-être faire avancer les choses. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'animer cette dernière discussion de ce colloque qui nous emmène assez loin. Et j'ai le plaisir donc de vous accueillir, Dario Mantovani. Bonjour. Vous êtes donc professeur au Collège de France, vous êtes le titulaire de la chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique, et vous êtes également président du conseil scientifique de l'École française de Rome. Et à vos côtés, Laurent Fombostier, bonjour. Vous êtes donc professeur agrégé des facultés de droit, actuellement en poste à l'Université Paris-Saclay, et je le précise, vous êtes co-directeur du master de droit à l'environnement de cette même université. Et alors, le sujet qui va nous occuper, vous vous en doutez, c'est cette question du droit. Comment le droit peut répondre à ces problématiques de transition et d'adaptation en faisant dialoguer le passé, alors pas il y a 200 000 ans, mais voilà, cette Rome antique que vous connaissez bien, Dario Mantovani, et le droit contemporain, et notamment les problématiques donc, de droit de l'environnement qui surgissent de plus en plus dans l'actualité. On en reparlera. Peut-être s'arrêter d'abord sur cette question d'adaptation en rapport avec le droit. Est-ce que finalement cette adaptation du droit a toujours existé? Aujourd'hui, on est dans un moment clé pour cette adaptation du droit, Dario Mantovani? D'abord, peut-être faut s'arrêter sur le mot, sur les deux mots. Je n'aime pas trop le mot transition. Je reste fidèle au mot causalité dont on a parlé aujourd'hui, mais le mot transition, et c'est ce que mes collègues ont aussi dit, c'est peut-être la condition naturelle d'une société et du temps. C'est le mouvement perpétuel. Donc pour un historien, la transition, c'est la condition même du récit historique. En plus, je trouve que dans le mot transition, qui s'accompagne normalement d'un adjectif énergétique, écologique, il y a une sorte d'objet, de point d'arrivée, tandis que quand nous décrivons des phénomènes historiques, nous n'avons pas l'idée qu'une société s'oriente vers un but. Donc je trouve que le mot transition ne s'applique pas trop à une description d'un phénomène historique. Par contre, adaptation, elle est très adaptée. Mais là aussi, on a appris de Luis Quintana Murci, de Chris Bowler, que l'adaptation en tant que phénomène des sciences du vivant implique une sorte de sélection naturelle qui fait que une mutation qui apparaît à un moment donné et qui provoque une caractéristique qui rend un organisme plus adapté à la possibilité de se diffuser parmi les descendants et donc dans une espèce. Et là, il y a peut-être un petit risque d'adapter, d'utiliser des mots de sciences sociales, de sciences biologiques aux sciences sociales, parce que dans les phénomènes historiques, dans les droits aussi, il y a beaucoup de volontarisme, disons, de facteurs culturels, pour le dire très brièvement. Donc, oui, l'adaptation, c'est toujours la condition du droit. Mais quelle adaptation? Bon, je vois au moins trois dimensions de l'adaptation dans son rapport avec le droit à la société. Alors d'abord, le droit s'adapte à des objets sociaux nouveaux. La trottinette, donc il faut se donner des règles pour des phénomènes qui n'étaient pas là. Plus sérieusement, par exemple, l'adaptation du droit à l'ère numérique. Là, il y a une production, un changement du droit, une production de règles sur,
sur laquelle on pourrait revenir, mais pour dire un mot, c'est souvent une adaptation qui procède par analogie. Par exemple, quand on parle de l'adaptation du droit au numérique, il y a en 2000, une loi a changé l'article 1316 du Code civil sur l'épreuve, sur la valeur de l'écrit, en disant, si je ne me trompe pas, l'écrit sous forme électronique peut être admis en preuve au même titre que l'écrit sur un support papier. Alors, donc là, vous voyez un dispositif mental qui fait que la nouveauté est reconduite à ce qui existait déjà. Donc, il y a des règles, mais qui sont sous l'emprise de la continuité. Alors, d'abord, il y a ce type d'adaptation, le changement. Deuxièmement, il y a un changement de la société par rapport au droit. Je pense que c'est le volet le moins exploité, parce que c'est le plus difficile à prendre. Est-ce que les normes juridiques ont un impact? Il n'y a pas seulement l'impact carbone, l'empreinte écologique, il y a aussi l'empreinte juridique sur la société, très difficile à mesurer, très très difficile. Et donc on peut penser que les historiens, par exemple, comme moi, sont enclins à penser que les normes ont un effet sur les sociétés, elles nous accompagnent vers les changements culturels qu'on souhaiterait, mais c'est un phénomène très difficile à mesurer. Troisième dimension, celle qui me semble la plus intéressante du point de vue intellectuel, est-ce que des objets sociaux, des besoins nouveaux, est-ce qu'ils vont changer le droit lui-même? C'est-à-dire, est-ce que le droit va s'adapter dans sa structure même, dans ses catégories, dans sa façon de fonctionner, pour s'adapter à des besoins nouveaux? Et donc, du point de vue de l'historien du droit que je suis, c'est vraiment un défi, parce que en tant qu'historien du droit romain, je suis inséré dans une tradition qui voit les droits comme un artefact, c'est un discours, les droits, c'est une façon de penser, mais ce n'est pas n'importe quelle façon de penser, c'est une façon que nous avons héritée d'une longue tradition, pas seulement pour des raisons politiques, mais pour des raisons culturelles. On a trouvé disons, à la fin de l'Antiquité tardive, un empereur, Justinien, a décidé recueillir tout le droit existant dans un texte, trois volumes, et ces trois volumes, le Corpus Iuris Civilis, a été adopté plus ou moins à l'XIe siècle, en Italie, notamment à Bologne, comme le cœur de l'enseignement universitaire. Et donc ça a produit une culture homogène, et ça fait que la façon que nous avons de penser le droit dépend de cette tradition. Alors, donc, vous voyez qu'il y a là un défi, et c'est peut-être ça qui justifie mon intérêt pour ces sujets, c'est-à-dire j'assiste au travail des protagonistes comme Laurent Fombostier, qui sont aux prises avec une réalité nouvelle, et donc je me questionne, est-ce que cette adaptation du droit à la réalité va produire une nouvelle façon de penser les droits.
Alors, très belle question. Peut-être derrière ce que vous venez de dire, on peut penser à la séparation entre personne et chose qui est au fondement de ce droit et dont on a hérité. Est-ce qu'on peut dépasser certains de ces fondamentaux conceptuels? Je vous donne la parole, Laurent Fombossier, puisque le droit de l'environnement pose justement cette question. Alors, peut-être pas forcément tout de suite embrayer sur cette différence chose-personne, mais déjà sur cette adaptation du droit, est-ce que vous pensez, vous, que le droit va se changer dans sa structure même? Oui, je vous remercie. J'ai trouvé les échanges avec la salle tout à l'heure passionnants et je crois qu'on ne peut pas perdre de vue le fait que le droit est un phénomène culturel, évidemment, et que si de nombreux discours qui ont précédé nos interventions portaient sur ce qui est, à travers les lois scientifiques, le droit, lui, a cette caractéristique de relever de ce qu'on appelle la déontique, c'est-à-dire ce qui doit être. Et sous cet angle-là, les interactions avec le culturel sont absolument évidentes. Alors je dirais que pour les questions qui nous préoccupent, climat en tête, mais souvent les questions climatiques, je me permets de le dire, sont l'arbre qui cache ce qui reste de la forêt, puisqu'visiblement il faut replanter. Et pour le dire très simplement, le droit face à cela nous met aux prises avec une sorte de contradiction intime qu'il est très difficile de dépasser et qui pourrait être, si je puis dire, traduite ou résumée dans les termes suivants. Le droit a à la fois permis ce qui, à bien des égards, est notre problème, et voilà qu'il lui faut le résoudre. Et ça ne vous aura pas échappé, ça peut supposer quelques dissonances normatives qu'en réalité on vit à la fois individuellement et collectivement, et qui se traduisent par le fait que, dans le même temps, tout à la fois le droit, et je pense au droit de l'environnement par exemple, est un droit de lutte, c'est-à-dire que c'est un droit qui vise à conjurer ce qui est en train de se produire, et c'est en même temps un droit d'adaptation. Alors cette dialectique lutte-adaptation, pour celles et ceux qui font du droit de l'environnement, c'est un boulevard, c'est ce qui véritablement structure les négociations internationales, et en réalité, derrière cela, on voit apparaître les dissonances, c'est-à-dire une propension à poursuivre le droit nous y habilitant ou nous y autorisant ce qui est à l'origine du problème et dans le même temps, à bien des égards, tenter de conjurer ce qui arrive. Donc adaptation, lutte, tout ça sur fond d'une résilience dont je me méfie beaucoup dans l'emploi de ce terme-là, c'est une sorte de mouvement dialectique en tout cas qui est extrêmement structurant sur les questions d'environnement et d'écologie politique en général. Alors si on essaie de rentrer dans un exemple, par exemple, on le sait, là, depuis une dizaine d'années, on attribue maintenant le statut de personne morale à des fleuves. Hein, ça a été le cas en Nouvelle-Zélande, ça a été le cas en Inde, ça a été le cas au Canada. Alors finalement, ces fleuves sont des personnes, sont des choses. Dario Mantovani, est-ce que vous souhaitez nous rappeler peut-être ce qu'étaient les personnes et les choses pour les Romains? Alors, Le droit est un phénomène anthropocentrique, anthropogénétique. Les Romains l'ont dit, omnius hominum causa constitutum est. Donc ils ont dit que tout le droit a été établi pour l'homme, pour les êtres humains. Donc il y avait très bien cette conception qui allait avec une conception de la nature très hiérarchisée et qui avait l'homme à son sommet. Et donc la bipartition fondamentale du droit romain, c'est celle entre les personnes et les choses. Et vous voyez déjà une façon dichotomique de voir la réalité. Et c'est une façon qui est un peu déjà en soi une modalité qui semble peu s'adapter à la complexité des rapports entre l'homme et la nature, mais c'est une façon dichotomique de voir les choses. Donc personne, chose. Et effectivement, les personnes sont les sujets du droit, tandis que les choses sont les objets du droit. Sujet de droit, c'est un schéma d'imputation, ça veut dire que le sujet de droit a la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations. Alors, comme c'est un schéma, on l'a appliqué très bien aux personnes physiques, donc nous tous, nous naissons avec une personnalité juridique du moment de notre naissance, mais on l'a appliqué aussi à d'autres phénomènes. Normalement, il s'agit de phénomènes qui ont quand même un rapport avec les humains.
c'est-à-dire par exemple les sociétés commerciales. Donc il ne s'agit pas de personnes physiques, mais c'est quand même, ce sont des groupes de personnes qui travaillent d'une façon très fonctionnelle. Il y a aussi les fondations, ce sont des biens affectés à des fonctions d'intérêt général, mais normalement il s'agit de personnes physiques auxquelles on attribue la subjectivité, la personnalité juridique. Mais comme il s'agit d'un schéma, donc les juristes travaillent avec le schéma, des schémas, donc c'est ça un peu la caractéristique des juristes, ils construisent le monde. Alors, donc il faut, je pense, bien comprendre que le droit a un statut très différent des autres. Je ne sais pas si on peut parler de science à propos du droit. C'est-à-dire que le droit a la prétention sociale d'imaginer, de donner, de s'imposer au monde. Donc, les juristes travaillent avec des schémas qu'ils imposent à la réalité, on peut très bien concevoir d'appliquer ce schéma de la personnalité juridique à des phénomènes qui ne sont pas les personnes physiques. C'est ce qu'a fait la Cour constitutionnelle de Colombie en 2016, avec un arrêt qui est un traité, franchement, il s'agit de, je pense, 160 pages, c'est vraiment un traité sur les droits bioculturels. Le fleuve Atrato, qui était exploité de façon illégale parce qu'on extrait de l'or de l'eau, mais avec des procédés, avec des pelles mécaniques, avec du mercure. Donc, on a saisi la Cour constitutionnelle et elle a déclaré le fleuve Atrato un sujet de droit. Alors, ça a été suivi, vous l'avez dit, et je pense que Laurent pourra donner bien plus de précision à ses propos. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir quelles sont les conséquences de ce type d'attribution. Parce que ce qu'on a déterminé, c'est que ce sont les populations autochtones, indiennes, afro-colombiennes, qui ont un droit de tutelle. C'est comme si le fleuve était un enfant qui ne peut pas se présenter en justice. Et donc, il y a des tutelles, ce sont les populations autochtones. Il y a une sorte de comité dans lequel siègent, je pense, 14 représentants des communautés autochtones, mais il y a aussi des représentants de l'État colombien. Et alors, cela pose la question, quel est vraiment l'objet de cette reformulation? Est-ce qu'on défend vraiment les droits du fleuve Atrato, ou est-ce que par le biais de ce schéma, de cette métaphore, de cette transition, est-ce que par le biais de cette métaphore, à la fin, ce qui est protégé, ce sont les intérêts des humains qui entourent les fleuves? Donc, c'est cette question qui nous pose encore une fois l'interrogation, est-ce qu'on peut dépasser les catégories traditionnelles? Dans ce cas-là, on pourrait ramener en effet à cette dichotomie chose-personne. Laurent Fombostier, par rapport à ces fleuves-personne. Dario, je trouve, a très bien posé les termes du débat. Le droit, c'est une façon de se représenter le monde, et il est traversé lui-même, d'ailleurs derrière les normes apparentes, par des impensées et des représentations. Si j'avais le temps, je vous raconterai, après le repas qu'on a eu à midi, comment on pourrait, grâce au droit de l'Union européenne, vous servir dans un restaurant un coq au vin sans coq ni vin, par exemple.
Il nous faudrait un peu de temps pour l'expliquer, mais le juriste démontre ça très bien, et la phrase d'Hector Abusiris dans La guerre de Troie n'aura pas lieu est assez connue. Jamais aucun poète n'a interprété aussi librement la nature qu'un juriste la réalité. C'est une école d'invention, le droit, c'est tout à fait vrai. Ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Dario, c'est qu'il évoque évidemment le dépassement d'une sorte de coupure qui remonte, c'est extrêmement compliqué à évoquer ici, mais peut-être à certains égards à certaines lectures scripturaires anciennes, d'un certain point de vue. La coupure cartésienne du XVIIe siècle, on la connaît souvent, les choses étendues et la chose pensante, évidemment, les animaux-machines. Et le dépassement, au-delà même des fleuves auxquels on assiste aujourd'hui, il me semble très intéressant parce que c'est une tentative du droit de penser le décentrement vers autre chose, peut-être une forme d'altérité, mais autre chose que la pure espèce humaine. C'est donc une façon de désanthropocentrer le droit, qui pose évidemment mille questions, que le droit sait sans doute résoudre en partie, mais ça se traduit par d'ailleurs la montée en puissance des sciences de la nature, à nouveau, ou dans leurs nouvelles modalités, qui viennent informer le droit de nouvelles choses à faire. Par exemple, tous les travaux en éthologie, tous les travaux en ethno-anthropologie nous conduisent, par exemple, à tenter de penser d'être un chêne, ou penser en oiseau, ou habiter en oiseau, ou penser en montagne, pour reprendre les grands travaux d'Aldo Léopold aussi. Donc tout ça, il faut bien comprendre, ça nous invite évidemment à considérer que la frontière entre le sujet de droit et ce qui ne l'est pas, ou la chose, a tendance à se déplacer. Alors le droit a tout un tas d'artifices pour mettre ça en scène. Du côté du constitutionnaliste que je suis, je dirais que ça interroge évidemment et ça bouscule fortement les conditions historiques de production démocratique du droit. Parce que ça invite par exemple à se demander s'il faudrait imaginer une place des scientifiques ou peut-être des représentants du monde animal ou du monde du vivant à travers un parlement des choses. Bruno Latour a écrit des choses très belles sur ce terrain-là. Donc c'est très intéressant, décentrement par rapport à l'espèce humaine. Mais évidemment, ça peut aller très loin. Quelqu'un comme Stefano Mancuso se plaisait à dire il n'y a pas très longtemps qu'il faudrait imaginer une constitution des plantes. Donc on imagine évidemment sous l'angle de la représentation des différents intérêts en présence, le chamboulement que ça peut représenter dans nos, bien sûr, dans nos représentations premières, mais aussi dans les techniques juridiques qu'il faudrait déployer pour faire en sorte que ces intérêts, les intérêts du monde vivant, soient représentés. Une toute petite chose peut-être pour finir sur ce propos, n'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, que le droit est traversé par des contradictions. Et j'en veux pour preuve le fait que la phrase de Bismarck n'est peut-être pas inconnue de tout le monde ici. Le droit, c'est comme les saucisses, il ne faut pas regarder de trop près comment c'est fait. Alors, au niveau de l'Union européenne, pardon, on sort de table, j'en suis désolé, mais le droit de l'Union européenne est très caractéristique à cet égard, parce que, en ce qui concerne, par exemple, la notion de bien-être animal ou de souffrance animale, eh bien, on voit bien que les animaux d'élevage, une poule qui récupère 3 cm² dans sa cage d'élevage conventionnel, elle va les récupérer au nom du bien-être animal. Les animaux sauvages, eux, sont sortis du champ de la réflexion sur ce qu'on appelle la souffrance animale, etc. Donc, ces catégories juridiques, Dario l'a très bien dit tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de construire et structurer le monde, elles sont à géométrie variable en fonction des intérêts en présence, et puisque je parlais de Bismarck, du lobbying, évidemment, qui s'exerce sur la façon dont on appréhende les normes ici. Le bien-être animal, alors dans le Code civil, récemment, depuis quelques années, on a bousculé un peu le champ des possibles, si je puis dire, en intégrant le fait que les êtres vivants sont doués, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Mais pas tous. C'est question de catégorie juridique, une fois encore. Dernier petit point, la biodiversité est très intéressante pour nos affaires, mais tout ce dont je vous parle a trait aussi à la montée en puissance d'une éthique animale ou d'une éthique environnementale qui nous invite à passer d'une logique d'équilibre écosystémique et de protection des grands ensembles à une logique de prise en compte de sujets individualisés. Donc dans ce dont je vous parle ici, il y a des questions sur le sujet animal véritablement, donc en lien avec le déplacement des catégories dont Dario parlait tout à l'heure. Et on n'a pas encore trouvé comment se passer des êtres humains pour créer justement ces nouvelles catégories et qui sont autant de nouveaux regards sur le monde. Vous parlez de se décentrer. Il y a aussi en ce moment toute cette volonté dans certains discours de replacer l'homme au centre de cette nature au lieu de les opposer justement. Alors est-ce qu'on peut revenir peut-être, Dario Mantovani, sur la natura romaine? On va repartir aux fondamentaux. Bien volontiers, mais avant, pour prendre un peu de recul, je voudrais réagir à ce que Laurent vient de dire. Et je pose cette question, est-ce quand on protège des milieux par les biais des populations autochtones qui l'entourent,
Est-ce qu'on ne condamne pas cette population, ces populations, à une sorte de, disons, de destin lié à la protection de l'environnement? Nous, on nous laisse toute notre liberté de changer, d'évoluer, tandis que lorsqu'on lie la protection de l'environnement à la conservation de certains modes de vie et d'exploitation, est-ce qu'on n'impose pas ces modes de vie comme normatifs? Oui, c'est très intéressant. Alors, l'interdépendance dont tu parles, Dario, en réalité, elle existe aussi pour nous, mais on ne la voit pas. On se contente de faire croire, par effet un peu d'exotisme, si je puis dire, quasi folklorique, qu'eux ont quelque chose à voir d'intime avec leur milieu et qu'ils en seraient, en quelque sorte, si je t'entends bien, les gardiens. Alors, effectivement, et ça les assigne avec des phénomènes d'assignation juridique, si j'entends bien en filigrane ce que tu dis, je suis absolument d'accord avec toi. Ces questions de la transformation des populations autochtones dont on assure paradoxalement tout à la fois les droits au nom de certaines traditions, ce qu'on appelle un patrimoine immatériel culturel qui est le leur, et dans le même temps, peut-être de façon ambiguë, le droit les assigne à résidence, ou en tout cas les assigne dans cette interdépendance équilibrée, je suis tout à fait d'accord avec toi. On s'exempte très largement, quant à nous, de cette nécessité d'être aussi le gardien, si je puis dire, de ce milieu-là. Et en réalité, d'ailleurs, moi je suis environnementaliste, mais très sincèrement, nos échanges m'invitent à penser qu'il faudrait plutôt faire de la mésologie, une étude des milieux, et que le droit de l'environnement tel qu'on le présente, il est plutôt assez proche de ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette vision un peu froidement anthropocentrique et tournée vers nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que ça réassigne des systèmes, des places d'une part, et des fonctions nouvelles autour de la logique de gardiennage, le surveillant, etc., le gardien. C'est très intéressant. Oui, c'est un peu l'idée des droits bioculturels de Kabir Bavikat. La nature, déjà de l'étymologie, natura, c'est un participe futur, ce qui va naître. Donc pour les anciens, au moins dans certaines visions dominantes, par exemple celle d'Aristote, la nature, c'est la substance de ce qui a en soi un mouvement et qui le pousse vers sa réalisation. Donc la nature, c'est cette force qui nous pousse à nous développer vers notre destin, qui est un destin quand même spécifique de chaque espèce. Donc ça donne naissance dans l'Antiquité à une idée de nature très hiérarchisée, comme je le disais. Chacun a son destin, les végétaux servent aux herbivores, les herbivores servent à l'homme pour se nourrir, donc l'homme est au sommet de cette pyramide et qui fait que, et c'est ça aussi intéressant, la position de l'homme fait que les autres organismes puissent arriver à leur but, c'est-à-dire de nourrir, par exemple, l'homme. Et donc c'est une vision très anthropocentrique. Sur cette idée, on a bâti l'idée du droit naturel. Donc l'idée du jus naturalisme, du droit de la nature, c'est une idée très ancienne qui a son nom, jus nature. Ce type de droit est un droit qui découle de cette vision de la nature, c'est-à-dire nous avons une sorte de destin qui nous pousse d'abord à nous protéger nous-mêmes, donc à survivre, à nous reproduire et avoir de bonnes relations avec nos pères. Cela donne donc des figures, des institutions juridiques. Pour faire un exemple, pour sortir un peu de l'abstraction, l'occupation, la chasse. Donc comme la nature est donnée aux hommes pour se nourrir, il y a cette idée que si on apprend
si on capture un oiseau, un poisson, celui-ci devient le nôtre, c'est-à-dire l'origine de la propriété est théorisée comme venant de ces phénomènes de l'appréhension du gibier et du poisson. C'est une idée qui est à la base même de notre idée de propriété. Et cela fait que, avec, je ne dirais pas un court-circuit, parce que c'est voulu, c'est une théorisation explicite, qu'on comprend la propriété privée comme un droit naturel. Donc, ça, c'est pour la nature, quand la nature devient du droit. Alors, donc, vous voyez, ce n'est pas comme aujourd'hui que la nature, c'est quelque chose d'externe au droit, que le droit doit maîtriser. C'est elle-même quelque chose qui est interne au droit et qui le mobilise. Et qui génère donc du droit. Peut-être l'heure est venue d'aborder la question du commun, puisqu'on est dans l'avenir commun durable. Alors comment on articule ces biens communs à l'époque romaine et aujourd'hui, puisqu'on parle de plus en plus d'un usage des communs, et comment aussi ce droit qui est très individuel finalement va s'articuler avec cette idée de planète commune. Laurent Faubostier, du coup, je vous laisse répondre. Le discours des communs ou parfois des biens communs, mais il y a sur la terminologie tout un tas d'hésitations et même des controverses d'ailleurs assez musclées, assez sévères. Oui, en tout cas, dans la matrice juridique qui nous occupe, la montée en puissance, ou disons la remontée en puissance, parce que Dario nous expliquera sans doute les choses avec le point de vue de la longue durée, cette remontée en puissance des biens communs, elle est incontestable, non seulement dans le discours de la doctrine d'une façon générale, mais aussi dans les textes juridiques, à commencer bien sûr par les textes internationaux, qui souffre souvent évidemment d'une sorte de dimension incantatoire assez peu suivie des faits, d'une façon générale. Mais ils sont très intéressants parce que autour d'éléments qui dépassent l'individu et même le cadre des territoires nationaux, par exemple des frontières nationales, on retrouve bien ces éléments communs. Autour du climat, la question de l'atmosphère et de l'air est une question extrêmement intéressante, non préhensible, mais en même temps très intéressante du point de vue des communs. Les questions relatives à l'eau, il me semble me souvenir que chez Gaius, il y a des développements très intéressants, évidemment, mais l'eau est notamment les espaces maritimes sont très intéressants sous cet angle-là. Mais même à l'échelle nationale, d'ailleurs, l'article L110 du Code de l'environnement évoque le patrimoine commun de la nation qui renferme tout un tas d'éléments comme la géodiversité, mais aussi, par exemple, les paysages. Et c'est tout à fait intéressant par rapport aux logiques propriétaristes individuelles qu'on évoquait tout à l'heure, car un paysage, qu'est-ce que c'est ? Sinon, à bien des égards, le plus souvent, une sorte d'affleurance les unes contre les autres, de propriétés privées qui forment ce paysage. Et c'est comme si nous devions imaginer, à propos de ces mêmes espaces physiques, une superposition de deux lieux du droit, en quelque sorte, c'est-à-dire la propriété privée clôturée d'une personne, et en même temps, cette sorte d'appartenance, cette fine pellicule qu'on pose au-dessus, qu'on appelle le paysage, et qui, lui, est véritablement décrit par le droit comme un patrimoine commun de la nation. Alors, un exemple typique de ces effets d'interaction et de cette façon dont le droit s'empare techniquement d'une propriété privée pour la réintroduire dans un espace commun, c'est, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un peu ces questions-là, la trame verte et bleue, c'est-à-dire ces idées de continuités écologiques, la continuité du vivant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la trame verte et bleue? Oui, alors quelques mots, parce que bien ça sûr. Paraît... Alors, disons que c'est un acquis de l'épisode du Grenelle de l'environnement à la fin des années 2000, vers 2007-2009. Et la trame verte et bleue renvoie à cette idée qu'il ne faut pas que des propriétés privées constituent un obstacle à la possibilité pour le vivant de se déployer, de se déplacer. On a parlé des phénomènes de migration tout à l'heure. Donc voilà, c'est cette idée que la propriété dans l'usus, le fructus et l'abusus, qu'on pourrait en faire ou en avoir, trouve pour limite, d'un certain point de vue, une fonction écologique qu'on lui assigne, qui vient du dehors et qui renvoie, qu'on le veuille ou non, à un dépassement de la sphère individuelle, à une réintroduction des communs. Donc techniquement, la trame verte et bleue, c'est cet outil qui permet de mettre sous servitude des propriétés ou de limiter le droit de propriété privée au nom de cette traversée des communs, en quelque sorte, qui ne connaît pas de frontières. Ces communs ne connaissent pas de frontières. Et cette trame verte et bleue qui sert à lutter contre la fragmentation des milieux naturels ne trouve pas d'autre solution que de finalement trouver cette articulation avec la propriété privée. Dario Mantovani, alors beaucoup de sujets, mais c'est vrai que cette question peut-être du commun, ou alors si vous souhaitez rebondir sur la propriété privée, parce que là aussi, Rome a beaucoup à nous dire là-dessus.
Rome n'a rien à dire en général. Vous avez à nous dire. On lui fait lire beaucoup. C'est ça. Puisqu'on est dans les récits, allons-y. Je pense que dans le cas de Bien commun, c'est vraiment un exemple de ça, de l'abus de l'histoire. Parce que, alors, il y a un juriste, il faut nommer les protagonistes, il y a un juriste qui s'appelle Marcien, qui au IIIe siècle, après Jésus-Christ, il dit, bon, les choses, certains n'appartiennent à personne et à tous, d'autres n'appartiennent à personne, le gibier par exemple, d'autres appartiennent aux cités, donc à la collectivité, et la plupart, il souligne la plupart, n'appartiennent qu'aux particuliers. Donc la première catégorie, ce sont des choses qui sont communes, res communes. Elles sont des choses naturelles. Donc il s'agit d'abord de l'air, de l'eau, des rivages, de la mer, et par conséquent, disons par attraction de la mer, le littoral de la mer. Il s'agit bien entendu de choses communes, mais aujourd'hui quand on parle de choses communes, on pense à des choses qui sont mises à l'écart de l'appropriabilité, donc elles sont inappropriables ou elles sont appropriables sous certaines conditions de gestion collective. Dans le cas des choses communes qu'on invoque souvent, c'est franchement le contraire, parce que les Romains disaient que n'avaient pas l'idée peut-être du fait que les ressources s'épuisent, et donc il donnait une liberté complète d'appropriation, et c'est par les biais de cette pensée, de ce propos de ce juriste d'ailleurs, que au XVIIe siècle, on a inventé la liberté de navigation dans la mer. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il s'agit d'une chose commune, donc toutes les nations ont la liberté de naviguer dans la mer à une certaine distance de la côte. Donc, c'est un peu le contraire. Et pour terminer là-dessus et donc revenir à ce que Laurent disait, oui, il y a beaucoup de ce type de déclarations dans des instruments multiples. Alors, comme historien qui regarde avec une sorte d'attrait et de répulsion les droits contemporains, je me dis, mais comment fait-on à coordonner tout ce type de niveau normatif? Alors, donc, ma réponse est très simple, c'est un réservoir idéologique. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de discours qui n'a pas vraiment, une substance normative, mais qui permet de façon pédagogique, de façon discursive, d'introduire des moyens juridiques véritables. Et on le voit, je pense, très bien, parce que la jurisprudence qui applique, très récent, les contentieux climatiques, qui applique vraiment les droits internationaux, ce sont des juridictions nationales. Absolument. Donc, ce sont des jugements, des arrêtés qui dépendent des juridictions, de la souveraineté des États. En France, aux Pays-Bas, on vient d'entendre que Shell a été condamné par les Pays-Bas. Et donc il y a cet enchevêtrement
autrement. On parle beaucoup de droit international, mais c'est le droit national qui, à la fin, a encore une emprise. Donc c'est peut-être ici aussi cette tension entre le global et la souveraineté qui fait encore son apparition. Et je pense qu'il nous faut de rappeler que la charte de l'environnement qui a une valeur constitutionnelle, si je ne me trompe pas, en France, a été promulguée à la fin d'un travail d'une commission qui était guidée par un professeur du Collège de France, Yves Coppens, qui n'était pas un juriste, mais qui était par les anthropologues. Donc, je pense que c'est aussi bien de rappeler cette matrice pluridisciplinaire. Le droit est sans doute beaucoup trop important pour être laissé aux mains des juristes. C'est ce que j'imagine, en tout cas. Et très sincèrement, je me permets de rebondir sur ce que Dario vient de dire. Pardon. Oui, Yves Coppens... au cours desquels j'ai pu assister ici, il n'y avait que deux juristes dans la commission Coppens, en réalité, et plutôt beaucoup d'autres personnes. C'est en 2005, elle est entrée en vigueur le 1er mars 2005, cette charte. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes amené un jour, par curiosité, à lire son préambule, vous verrez à quel point, justement, quand un scientifique travaillant sur la très longue durée s'empare de ces questions-là, ça donne un préambule avec un fort souffle qui montre bien à quel point l'humanité dépend, d'ailleurs dans son origine historique, ça a été très bien rappelé dans les interventions précédentes, dépend de son environnement ou du milieu dans lequel il évolue. Et ça montre bien à quel point notre vulnérabilité doit être remise en perspective avec cette très forte interdépendance. Donc ça interroge aussi la façon dont on combine les parties que nous constituons et le tout, et un tout dont nous dépendons à bien des égards. Donc je trouve que pour réinterroger d'une autre façon l'articulation individu et commun, cette charte de l'environnement est extrêmement intéressante. En fond, Bostier, vous évoquez les interdépendances. Alors, on parle beaucoup des interdépendances homme-nature, ou en tout cas entre les espèces, de la biodiversité elle-même, si je reprends ce terme. Il y a toute une flopée de contre-représentations de cette interdépendance, et on a pu le voir à l'occasion de la crise qu'on traverse, qu'on n'a pas fini de traverser avec le Covid. Donc, on est aussi face à un discours. Ce droit international, il intervient comme horizon d'attente, comme une utopie qui va peut-être... présenter un contre-discours à ces représentations, notamment technicistes, c'est ça que je veux dire. Oui, je trouve que c'est tout à fait ce que dit Dario, un réservoir idéologique, je trouve que c'est très intéressant. On peut le voir assez positivement. Quand je parlais d'une logique incantatoire peu suivie des faits, ça n'enlève rien ce qui peut y avoir de performatif dans le fait de glisser de nouveaux concepts, de nouvelles notions dans les catégories juridiques. Il y a sans doute une contribution nette difficile à évaluer à un changement de représentation. Dire qu'il faut protéger les océans parce qu'ils sont notre commun, ça peut avoir du sens. Il y a aussi d'autres voies pour être performatif. Des voies, par exemple, qui consistent à faire peur ou à expliquer que nous dépendons d'une ressource et que quand elle aura disparu, ce sera la barbarie à certains égards. Mais il est vrai que le droit international... Moi, je ne suis pas internationaliste. C'est réservé non pas à une caste, mais dans le milieu des juristes, à des gens qui ont peut-être d'autres paradigmes en tête que les miens. Mais en général, le droit international est extrêmement généreux en nouvelles notions pour avancer vers une représentation avec mutation, vraiment un changement de paradigme, pour reprendre une terminologie un peu paresseuse. Et en même temps, il faut quand même bien le dire, et Dario le suggérait à mon avis dans son propos, si l'on en revient à des outils nationaux pour la mise en œuvre, c'est parce qu'on est en face d'un grand vide et d'un pur état de nature en ce qui concerne le droit international, qui met les États dans des relations entre eux comme l'étaient les individus à l'état de nature chez Rousseau ou chez Hobbes ou chez Locke. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'anomie du droit international, il faut bien reconnaître, dans le droit international, passer les grandes proclamations qui parfois supposent qu'on utilise des termes très généraux et un peu coquilles vides pour asseoir tout le monde à table et faire en sorte que tout le monde signe, mais dès qu'on rentre dans le détail avec des objectifs chiffrés, on l'a vu avec le protocole de Kyoto, on l'a vu avec l'accord de Paris, tout le monde se fâche et on sort le magnum, si je puis dire, et puis chacun chez soi. Donc on manque de tout l'outillage en droit international pour qu'il soit, au-delà de l'incantatoire et du performatif linguistique, si je puis dire, pour qu'il soit véritablement
faiblement efficace. On manque de système de contrôle, d'une Cour internationale qui serait dédiée. La Cour internationale de justice, dès que les États ont des problèmes entre eux de pollution, par exemple, ils font généralement tout pour l'éviter et pour avoir recours à l'arbitrage. Et la Cour internationale de justice, elle joue sur une ligne de crête, elle est obligée d'être extrêmement compréhensive avec les États si elle veut qu'on lui transmette quelques contentieux. Et les contentieux climatiques, pour l'instant, échappent complètement à cette dimension-là, d'où ce que disait Dario, plus de 1600 contentieux climatiques nationaux, parfois sur le fondement de textes internationaux, évidemment, très souvent, mais sont déployés aujourd'hui devant la plupart des États dans le monde. Les indications données par Dario, qu'il s'agisse des Pays-Bas, de l'Allemagne récemment, le très important et spectaculaire arrêt de la Cour de Karlsruhe en avril dernier. On a ces retombées, mais on est au tout début de cette mutation-là. Les États sont condamnés pour inaction climatique partielle ou totale. Donc les États condamnés, oui, ça veut dire qu'on se réfugie vers le juge et que le juge devient l'ultime recours, d'un certain point de vue, face à des politiques publiques qui semblent défaillantes. C'est le début d'un chemin et souvent il y a une notion qui revient dans ces questions-là, c'est celle d'équité. Et là aussi, on peut revenir à Rome par rapport à cette tradition juridique de l'équité. Qu'est-ce qu'on met en fait derrière ce terme ? Est-ce que c'est une façon de prendre en compte des différences, une façon de réduire les différences ? Est-ce que cette notion apparaît aujourd'hui dans justement les procès pour justice climatique ? Est-ce que l'équité est un terme qui revient ? C'est un mot qui a sa noblesse, et donc on l'utilise très volontiers. Dans la pensée juridique romaine, c'était presque le critère de base de toute décision lorsqu'il y avait un conflit d'intérêts. Et l'idée, c'était celle de rééquilibrer des positions que, au départ, étaient à un certain niveau et que, par la suite, certains événements avaient changé. Donc, il fallait les rééquilibrer. Donc, c'est ça l'équité. Donc, on sait très bien que le symbole de l'équité, c'est la balance. Donc il faut vraiment la visualiser comme ça. Alors, pour revenir à la façon que les juristes avaient de raisonner, il y a un navire qui traverse une tempête, un navire chargé de cargaison de plusieurs propriétaires. Et donc le capitaine est contraint à jeter un certain nombre de biens à l'eau. C'est ça que le juriste Paul, toujours au IIIe siècle, raconte. Les propriétaires, au moment de l'arrivée, il y a certains qui sont très contents parce qu'ils récupèrent leurs biens, d'autres qui sont furieux. D'autres qui envoient des mails de réclamation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une réclamation au capitaine. Le capitaine a fait ce qu'il devait faire pour sauver le navire. Et donc, ce que le juriste dit, c'est je trouve que c'est tout à fait équitable, equum, c'est les mots, de partager en commun les dommages avec ceux qui n'ont conservé leurs biens que parce que les autres ont perdu les leurs. Donc c'est la notion d'interdépendance. Et je me dis, quand je lis ce texte, c'est une métaphore de la société, c'est une explication de qu'est-ce que l'interdépendance et aussi qu'est-ce que l'équité. On peut peut-être l'appliquer à la crise du Covid. Nous avons vu que les dommages ont frappé plutôt certaines personnes que des autres. Et donc, cette façon de rééquilibrer serait quand même un critère qu'on pourrait réactiver. Peut-être, oui, Rome, dans ce cas, a quelque chose à dire.
pas, en fond, vous souhaitez juste ajouter quelque chose sur l'exil. J'ai envie de rebondir sur le très, très beau, la belle casuistique que tu mettais en avant, Dario. C'est toujours passionnant, évidemment. Dans un système fermé, alors fut-il résilient, évidemment, adaptable, etc., dans un système clos, avec des ressources finies, la logique d'expansion infinie est évidemment assez compliquée à tenir mentalement. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est que dans les premières décisions qu'on a évoquées tout à l'heure, la question de l'équité, elle se déploie selon deux axes. Une équité intra-trans et intergénérationnelle. Et on la voit bien. C'est d'ailleurs le programme historique du développement durable par le rapport Brundtland en 1987. Il faut qu'on satisfasse nos besoins aujourd'hui dans le respect de la possibilité réservée aux générations futures de satisfaire les leurs, aux générations futures et aux peuples d'à côté. Vous voyez, le voisin de cargaison, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, d'un certain point de vue, ça, c'est déjà très présent dans la justice, dans les jurisprudences qui sont rendues, ce qui m'invite à dire que la fonction, ça me rappelle le beau colloque que tu avais organisé, Dario, au mois de mai, la fonction distributive ou redistributive du droit à travers l'intégration de l'équité inter-intra-transgénérationnelle, c'est une fonction dont on va entendre beaucoup parler dans les années qui viennent. Ça me semble absolument évident, la plupart des grandes décisions de justice à venir, même sur la biodiversité ou les ressources naturelles, ne pourront pas, à mon avis, faire l'économie de ces réflexions-là. Donc ça entre tout à fait en résonance avec ce que disait Dario. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que l'heure est venue de laisser la place aux questions, s'il y en a, bien sûr. Alors, monsieur là-bas, monsieur au milieu.